On a un week-end très chargé, d'une part parce que c'est un chassé-croisé, hein, et c'est le chassé-croisé le plus important des vacances de février avec trois zones sur les routes, donc deux zones qui arrivent sur Chamonix et deux zones qui repartent. Et ensuite, on a une compétition de renommée internationale sur Chamonix avec une Coupe du Monde de ski là, sur deux jours, donc vendredi et samedi. Donc c'est vrai que ça complique un peu les services du week-end. Alors ici, on est au ce qu'on appelle le PCO, là, donc le PC opérationnel de l'épreuve, enfin, du dispositif circulation, plutôt circulation, PC circulation. C'est dans les locaux de la société autoroute ATMB, donc où, là on bénéficie d'un nombre important de caméras qui nous permet de gérer l'afflux des véhicules, notamment la problématique des poids lourds aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes un samedi, la circulation des poids lourds est interdite sur la région Rhône-Alpes, donc on a moins de soucis qu'on a pu rencontrer hier avec les poids lourds et notamment la neige. Donc voilà, donc globalement ici on gère le gros volet circulation. Alors on a un dispositif qui se situe à trois niveaux. Donc d'une part une sécurité des compétiteurs, des skieurs, qui est assurée par une vingtaine de gendarmes du PGHM qui se situe carrément sur la piste du camp d'art où aura lieu les épreuves. Un deuxième niveau en termes d'ordre public au niveau de la raquette d'arrivée et puis de la commune des Ouches avec la compagnie de gendarmerie de Chamonix. On a une trentaine de militaires de la compagnie avec quelques réservistes. Et le troisième volet qui est le plus important à mon avis, c'est le volet de circulation, où on assure d'une part le stationnement des spectateurs qui vont venir sur l'épreuve, sur une partie de la Nationale 205, et avec l'afflux et le reflux des touristes, ceux qui arrivent sur Chamonix et ceux qui en repartent. On a été renforcés pour l'événement. On est déjà renforcés de manière habituelle l'hiver pour faire face à la sollicitation. Et pour cet événement particulier, on est également renforcés de réservistes au niveau de la brigade. Nous, on a créé un dispositif spécifique sur les Ouches, qui se compose de plusieurs postes de filtrage parce que le village n'a pas la capacité à accueillir autant d'automobilistes qui veulent s'y présenter. Donc c'est un dispositif de filtrage, un dispositif de patrouille mobile qu'on pourrait comparer à nos équipes de premier marché au niveau de la brigade, un officier de police judiciaire de permanence. Le rôle c'est de faire l'interface, je dirais, entre les unités de terrain et les autorités préfectorales qui sont présentes sur le PC, donc notamment le sous-préfet de Bonneville qui est le patron du dispositif, et le directeur de cabinet qui lui est plutôt sur le secteur des Ouches, où là il assure un peu le volet ordre public avec la compagnie de Chamonix. C'est important déjà pour voir concrètement comment le dispositif est mis en place sur le terrain, si c'est conforme, si on n'a pas de difficultés majeures, et puis d'échanger avec les personnels qui sont là, qui parfois c'est pas un service compliqué, mais voilà, ça reste, c'est 5-6 heures sur un point de passage, c'est faire du filtrage, c'est se heurter parfois à la compréhension des automobilistes ou des spectateurs qui ne comprennent pas pourquoi on ne veut pas qu'il aille se garer là où il y a une place pourtant, mais il ne s'est pas prévu. Donc voilà, donc ça permet d'échanger avec eux, de dire qu'on est aussi sur le terrain, et voilà, c'est un contact qui est primordial. C'est le groupement qui chapeaute évidemment, mais la compagnie, elle a regroupé ses effectifs. Le peloton de surveillance et d'intervention est spécifiquement attaché à la sécurité dans la raquette, en mesure d'intervenir sur cet endroit qui concentre toute la foule et certaines personnalités. Et puis ce dispositif, cet élément, il est aussi capable de nous renforcer sur les points de filtrage ou sur les axes pour libérer des véhicules ou faciliter les flux. Alors un directeur d'exploitation, c'est la personne qui va à la fois gérer l'opérationnel avec un chef d'exploitation auquel il donne délégation et puis quelqu'un qui va aussi gérer la stratégie, notamment les grands projets d'investissement pour le domaine. Nous avons eu le super combiné de la Candare et puis la descente aujourd'hui, donc super combiné hier avec une victoire française, donc extraordinaire.
et puis aujourd'hui la descente. Alors ça se prépare, mais alors le gros coup de chapeau revient au club des sports, hein, qui déjà depuis cet automne a travaillé sur, sur l'équipement de la piste, puisque là on a une belle piste qui est lisse, mais la neige est une chose, mais il y a toute la partie sécurisation, tout ce qui est câblage pour la télévision, câblage pour la ligne de chronométrage, et ça, ça se prépare dès l'automne, dès le début de l'automne. Donc ça veut dire que là, on a commencé à travailler en mois de septembre, et voilà, maintenant on est le 20 février, donc on voit le temps qu'il faut pour préparer une course. Donc on peut imaginer les enjeux. Voilà, on a un peu de nuages aujourd'hui. La crainte jusqu'à la dernière minute, c'est de voir toute cette belle opération annulée en last minute, quoi. C'est notre chef d'hameur qui a la charge de la finition de la piste. Donc il y a un gros travail qui est effectué par le club des sports manuellement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font manuellement au bord des filets, notamment quand tout est déjà installé. Mais on va dire que la partie fraisage, préparation de la piste, c'est notre équipe de damage. La problématique, c'est que les gens arrivent de manière échelonnée sur l'événement, donc ça, il n'y a pas trop de problèmes, les filtrages se font. Ils sont tous concentrés sur la manifestation, et ce qui est certain, c'est qu'ils vont tous repartir dès qu'elle va se terminer, puisque les conditions de météo font qu'ils ne vont pas trop s'attarder quand même. Donc ça va être de gérer, faciliter le passage de navettes de bus qui sont organisées, de faciliter l'évacuation des véhicules et des nombreux piétons qui vont arpenter tous en fait ce même axe. Donc notre point d'effort, ça sera vraiment tout à l'heure, à la fin de la manifestation, pour permettre que tout le monde puisse partir, quitter les lieux dans de bonnes conditions, véhicules privés, bus et piétons. Il y a une répartition des tâches. La sécurité sur la piste pour les coureurs est à la charge de l'organisateur, hein, donc là qui lui se fait aider par des professionnels, notamment le PGHM, et puis une clinique, des médecins privés. La partie piste client revient évidemment à notre équipe de pisteurs secouristes. Et puis cette année, on voit qu'on avait une belle heure d'arrivée avec beaucoup de monde qui n'était pas accessible à ski. Donc c'est la chamonnière de secours qui s'occupait de la prise en charge d'éventuels malaises ou blessés en bordure de piste proche de la raquette d'arrivée. Alors l'événement, il se déroule sur la commune des Ouches. Hein, c'est là où la piste La Verte permet que la Coupe du Monde se réalise. Et effectivement, les remises de dossards, les remises de prix, ça se déroule sur une place qui est capable d'accueillir beaucoup plus de personnes que la place du village des Ouches. Et donc ça se fait sur la place centrale de Chamonix. Donc c'était le cas hier soir pour des remises de dossards et des remises de prix. Et ça va se reproduire tout à l'heure pour finir les deux jours de l'épreuve.